petit pas met en scène la Belle au bois dormant, au moment où il est très heureux dans sa vie privée. En effet, il vit de jours paisibles, entouré par sa seconde épouse, Lubov Savitskaya, et leurs 6 enfants. Petit pas n'est pas le seul créateur à être à l'origine du ballet La Belle au bois dormant. La direction des théâtres impérieux vient de se doter d'un nouveau directeur, Ivan Vseloshsky. Ce dernier rêve d'un grand ballet et décide d'écrire un ballet inspiré des contes de Charles Perrault. Son idée est dans l'air du temps. En effet, depuis quelques années, la Russie et la France se font la cour pour contenir le Reich allemand qui prend de l'ampleur. Cette alliance donne lieu à d'innombrables gestes de courtoisie. En 1888, l'emprunt russe est lancé en France. 3 ans plus tard, l'escadre français arrive à Kronstadt, la base navale russe, pour une manœuvre conjointe. Et, chose impensable, l'orchestre impérial interprète même en présence d'Alexandre III l'hymne républicain, la Marseillaise, jusque-là interdite. Les La Belle au bois dormant évoquent la grandeur de la France au siècle de Louis XIV. Vseloshsky dessine les carrosses, les costumes et le décor s'inspirant de Versailles. Le ballet est aussi une fenêtre ouverte sur l'Europe. En effet, la France de petits pas offre avant tout une image de la culture européenne. La célèbre valse de La Belle au bois dormant est un hymne chorégraphique à la splendeur de Versailles. La France du ballet La Belle au bois dormant est par ailleurs un hommage constant à la femme. Le thème de la beauté y domine, et le héros masculin, au second plan toujours, laisse la place à cette lumière si particulière qui émane de la danse féminine. Ce n'était pas un hasard si l'héroïne se prénommait Aurore, la lumière de la vie. Le mouvement rappelant une promenade à travers une galerie de portraits animés. C'est pénible d'être le plus grand. Je n'ai plus envie de jouer à leurs jeux d'enfant. Nadeja, Vera, Lubov, Marie, Victor, Piotr, où êtes-vous? Ils se sont encore cachés. Tant pis pour eux. Je n'ai pas l'intention d'aller les chercher. J'ai mieux à faire. Je vais m'exercer au piano comme papa m'avait demandé.
si on lisait le conte Le Chat Botté? Oh non, on le connaît déjà par cœur. Je propose Le Petit Poucet. Il est trop triste. Le Petit Chaperon Rouge, il est triste aussi. Le loup mange le Petit Chaperon Rouge. Pas du tout, pas du tout. Maman m'a dit que le loup est mort d'intoxication avant d'arriver chez la grand-mère. Le beurre, vous savez le beurre que le Petit Chaperon Rouge apportait à sa grand-mère. Il n'était pas bio. Oui, oui. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. C'était le beurre de la ferme des voisins. Le meilleur. Les parents du Petit Chaperon Rouge achètent toujours du local. Oh, regardez les jolies princesses. Quel beau château! Piotr Tchaïkovski, c'est un très grand compositeur.
C'est lui qui vient travailler tous les soirs avec papa. Oui, tout à fait. Monsieur Tchaïkovski s'installe sous le piano dans le salon. Il joue ses compositions pendant que votre père, en harmonie avec la musique, crée ses danses. Votre père souhaiterait offrir le rôle de la fée des lilas à votre sœur Marie. Chut, c'est un secret, ce serait son cadeau de mariage. Allez les enfants, en attendant, allons tous à votre cours de danse que papa va vous donner.